Tina prend une semaine de RTT. Si quelqu'un a besoin de vacances, c'est bien toi. Mais non, c'est pas que pour les étudiants. Bugs, Speedy, Sam le pirate, Mémé, Charlie le coq, Taz, Tina... Bon ben ça y est, hein. J'ai pas d'autres amis. Oh. Salut Porky. Kéké, qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelqu'un pour partir en vacances avec moi. Je veux bien, moi. Oh, ça y est, ça me revient. Je sais à qui j'ai pas demandé, au gros type qui travaille à la poste. Bon ben je te laisse. Mais non, je trouve pas ça bizarre d'inviter mon plombier en vacances. Dans ce cas, je vous laisserai plus jamais déboucher mes cabinets. Et croyez-moi, je mange très épicé. Bon, alors cette fois, je connais personne d'autre. Quoi, Porky? Je me demandais si t'avais trouvé quelqu'un pour partir en vacances avec toi. Pourquoi tu penses à quelqu'un? Mais moi! Toi? Bon, ben d'accord. Ah, youpi! Mais si le voiturier du restaurant chinois me rappelle, tu viens pas. T'as pensé à prendre un maillot de bain? Oui. Parce qu'on va surtout rester au bord de la piscine, hein? T'as de l'écran total? T'as l'air d'avoir le gras qui marque. Ça va être trop génial! Ces vacances seront mémorables ou ne seront pas! On va faire la nouba, Porky! Aucune retenue, on se lasse! On va pas se coucher tôt, ni bouquiner gentiment, ni manger de légumes. On va se comporter comme des porcs! Enfin, si je puis dire. Quoi? Je crois que j'ai laissé le fer allumé à la maison. Je crois que je l'ai pas éteint. Ça pourrait mettre le feu. Mais arrête, Porky, t'as pas laissé ton fer allumé. Tu te mets beaucoup trop de pression. Et si j'ai choisi d'aller au Mexique, c'est justement pour lâcher la vapeur. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Nous vous prions d'attacher vos ceintures. T'attaches pas ta ceinture? Je suis en vacances, mon gros. Personne ne me donne d'ordre. Un bobo. Ah, Mexico, la perle de l'Orient. Oh, je viens de m'en rendre compte. J'ai laissé le four allumé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce matin, avant de partir, j'ai fait des biscuits et je crois que j'ai pas éteint le four. Il va y avoir le feu. D'abord et d'une, qui se fait des biscuits le jour où il part en vacances? Ensuite et de deux, calme-toi, on est en vacances. On va monter dans un beau bus bien bleu et oublier tous nos soucis. Tiens, t'as vu comme il est bleu? Un Capulco, c'est nous que v'là! Ça fait 9 heures qu'on est dans cet autocar. Quand est-ce qu'on arrive à Acapulco? Ça y est, on est arrivé. Hein? Faut se détendre, Porky. Fais-moi confiance une fois dans ta vie. Où est la plage? Bouge pas, je vais me renseigner. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer la plage? La plage? Acapulco. Acapulco? Eh, c'est pas ici, Acapulco. Ici, c'est Acapulco. Attendez! Revenez! Oh, c'est pas grave. Le car va repasser. Dans une semaine. Oh non! Quoi? J'ai laissé mon fer à friser à allumer. Ton fer à friser? Mais t'as pas de cheveux. C'est pour ma queue. Parfois, j'oublie de l'éteindre et il est rigoureusement stipulé qu'il faut pas laisser sans surveillance. Il est sans surveillance, il peut mettre le feu. Porky, ta compagnie est désagréable. Écoute-moi, on est peut-être en milieu de nulle part, mais je suis décidé à faire de ces vacances quelque chose de grand. Il faut qu'on fasse un truc de dingue. Oh, attends, laisse-moi réfléchir, je vais trouver. Oh, j'ai trouvé! Et si on attachait 1 million de ballons à cette âne toute tranquille? Et puis qu'on le regardait s'envoler! Et on va trouver un million de ballons. Ah oui, c'est pas bête, là. Oh, j'ai trouvé! On pourrait le badigeonner de sirop d'érable et lui coller des vieux journaux sur les poils. Et on le trouve où, le sirop? Et les vieux journaux? C'est sûrement amusant d'être celui qui soulève les problèmes. J'ai plus besoin de quelqu'un qui trouve des solutions. J'arrive pas à penser. Il fait trop chaud. Trop chaud.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour qui courir tout nu dans la rue laisse des souvenirs impérissables. Tu veux dire qu'on va vraiment le faire? Oh oui, je veux dire qu'on va vraiment le faire. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est les vacances. On fait les poufous. Regarde les autochtones. Enfin, qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? Vous êtes aveugles ou quoi? On est à poil. On est complètement nus sans rien dessus. Oh, 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 ah, mais quand même. En prison pour nudité? Non, mais c'est les vacances, quoi. On fait les foufous. On aurait mieux fait de faire un truc à l'âne tranquille.